De quoi je dois vous parler aujourd'hui? Il y a tellement de choses, tellement de questions, des sujets, des problèmes. C'est formidable. Mais voilà que, sûrement c'est le hasard, quelqu'un hier m'a posé la question. Une question très intéressante. On parle de l'esprit, de la matière, et que l'esprit est tout puissant. Alors, comment comprendre ces choses-là, l'esprit et la matière? Ah, cette question m'a plu. Et maintenant, à nous deux. Peut-être vous ne comprendrez rien du tout, ça ne fait rien, mais ça sera abstrait, ça sera transcendantal, et il y aura certains qui aiment le style, ils seront émerveillés. Alors maintenant, c'est un sujet, je ne dirais pas abracadabra, non, mais un sujet tellement difficile, tellement compliqué, tellement inconnu, que pour simplifier, pour rendre clair tout ce que je vais vous proposer, ça c'est un problème. La clarté maintenant, que vous compreniez beaucoup de choses au sujet de l'esprit et de la matière. Qu'est-ce qu'on ne pense, qu'on ne parle sur l'esprit? Esprit, es-tu là? Quand l'esprit vient aux filles, il y a des moments où l'esprit les visite aussi, les filles. Oh, quel esprit vous faites! Ça veut dire, on confond l'esprit avec le mental, l'intellect. Mais ce n'est jamais clair, cette affaire-là. Et d'ailleurs, la majorité, presque le monde entier, n'a aucune notion claire sur l'esprit et la matière. On a des idées, mais alors, tellement bizarres, tellement floues, que si je dois m'arrêter pour vous montrer comment la majorité emploie le mot esprit et où et quand. Et, alors, ça sera très long, mais je vais commencer par le commencement. Tout d'abord, m'arrêter sur des petites choses qui se passent dans la vie quotidienne, sur des images, sur des choses tout à fait ordinaires. Et après, je tirerai des conclusions, mais alors, stupéfiantes. Prenez maintenant, pour comprendre tout ça, je vais projeter par-ci, par-là, des petites choses dispersées en général, en apparence, mais après, vous verrez combien ils sont liés ensemble. Prenez maintenant, qu'est-ce que c'est un bonhomme, une bonne femme? C'est une famille? Comment? Un bonhomme, c'est une famille? Eh oui. Et comment expliquer? Ben écoutez, il y a en dedans le père, c'est l'esprit. Et la mère, ben c'est l'âme. Il y a le fils, c'est l'intellect. Et il y a la fille, c'est le cœur. Et la maison, le corps physique. Voilà une famille. Vous allez voir maintenant. Quelle drôle de famille. Parce que de temps en temps, le père et la mère, le maître de la maison et la maîtresse de la maison, ils prennent un voyage, ils s'en vont quelque part, des visites, des voyages lointains, et ils restent le fils et la fille. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Il faut s'amuser. Du moment que les parents ne sont pas là,
Il faut inviter les voisins, danser, boire, fumer, casser les choses. Mais des dégâts. Et quand le père et la mère reviennent, qu'est-ce qu'ils constatent? Il y a des réprimandes, il y a des corrections, il y a des réparations, mais il y a eu quand même quelques défauts. Et c'est vrai, ce que vous ne savez pas, il y a un esprit en dedans en nous. Et il y a une âme aussi. Et cet esprit, c'est la puissance, c'est la volonté, c'est la force. Et l'âme, c'est la sensibilité, c'est l'affection, c'est l'amour, c'est la bonté. Alors quand ces deux choses sont absentes, quelquefois ils arrivent, ils ne sont pas là. Et l'intellect, le cœur, ils sont là, ils commencent à faire des bêtises, c'est-à-dire l'intellect. Et le cœur, les plaisirs, les amusements. Et voilà, il y a des dégâts dedans, des empreintes, des choses, des saletés. Quand il vient de nouveau l'intellect, la sagesse et l'amour, ça veut dire, le raisonnement, on s'aperçoit qu'on a commis quelques bêtises, on médite, on réfléchit, on répare. Mais ça se répète tellement souvent, et les gens n'ont pas constaté qu'il y avait une drôle de famille en dedans. Et oui, mais cet esprit, cette âme, l'intellect et le cœur, ils sont un reflet de quelque chose qui existe quelque part en haut. Ah oui, mais d'après le christianisme, oh, le bon Dieu est célibataire. Et comment ça se fait qu'il ait un fils? Est-ce que c'était une adultère ou quoi? Mais c'est très drôle ça. Dans toutes les religions, hébraïques, égyptiennes, hindoues, bouddhistes, le bon Dieu est ensemble avec une âme, une épouse. Et chez les Hébreux, on l'appelle Shekhinah. Et aux Indes, Shakti. Shakti, Shekhinah, vous voyez, ça se rassemble. Et c'est de là que ça vient, Shach. Un gouverneur, un roi, un Shach. Sheikh, chez les Arabes, quelqu'un qui domine, qui commande, qui est à la tête, Sheikh. Regardez maintenant, c'est extraordinaire, ces variations. La même idée. Shekhinah, Shakti. Donc, Dieu est lié avec quelque chose. Pour comprendre maintenant, qu'est-ce que c'est? Prenons le nom de Dieu. En hébraïque. Le nom de Dieu est constitué par quatre lettres. Yod, He, Vav, He. Ben exactement, c'est la famille. Yod, c'est le père. He, c'est la mère. Vav, c'est le fils. Prolongé, Yod, prolongé, ça veut dire Vav. Et He, la dernière répétition de la mère. Donc le père, la mère, le fils et la fille. Voilà le nom de Dieu. Ça, c'est absolu, je ne vous trompe pas. Dans la Kabbale, c'est comme ça. Ah, c'est formidable. Et si vous faites maintenant des calculs, je ne m'occuperai pas aujourd'hui, vous trouverez, mais alors, quel est le nombre? 26. Et pourquoi il y a 26 paires de ganglions dans le corps? 26 paires de ganglions, 4 qui sont 12 dorsaux, 3 crâniennes et 4 en bas, ça veut dire. Voilà.
Vous voyez, c'est formidable, 4. Mais laissons ça. Allons-y maintenant. Comment la tradition, ça veut dire comment l'intelligence cosmique, c'est-à-dire comment la science initiatique nous présente ce sujet. Bien sûr, des intelligences humaines sont incapables de connaître ça. Ça, il y avait dans le passé lointain des créatures élues, choisies, très développées, qui avaient des possibilités pour aller très haut, vérifier, s'instruire, entendre, apprendre. Et c'est eux qui nous ont transmis cette science initiatique. Comment Dieu a créé l'univers, le monde, et la science officielle n'a aucune idée. Il raconte des histoires pour le système solaire, Kant, Laplace, mais ils ne connaissent rien comment en réalité c'était produit. Et ils nous disent qu'il y avait seulement un être. Il n'y avait pas deux, il n'y avait pas trois. C'était cet esprit absolu. C'était l'absolu. Et beaucoup de gens parlent de l'absolu sans savoir qu'est-ce que c'est. Parce que ça dépasse le niveau de notre érudition, de notre connaissance. Personne ne peut s'imaginer qu'est-ce que c'est l'absolu. Combien de gens j'ai entendu dans ma vie qui cherchaient l'absolu, les pauvres, ils ne savaient rien du tout. Que l'absolu, c'était inconnaissable, impossible d'atteindre, d'arriver jusqu'à lui. Ça dépasse tout ce que nous pouvons nous imaginer. C'est à peu près, dans la science kabbalistique, c'est Ein Sof-Aur. Ein Sof-Aur. Ça veut dire sans limite, quelque chose sans limite. On ne peut pas comprendre. Ein Sof-Aur. Et voilà que cet absolu a décidé de se polariser. Et dans cette polarisation, il y a eu les deux principes actifs, passifs, émissifs, réceptifs. Dieu et la nature. Et voilà que les chrétiens n'ont aucune idée là-dessus. Et que les deux pôles sont liés. Ils représentent les deux extrémités de la même chose, comme le bien et le mal, la joie et la tristesse, la lumière et les ténèbres. Ça, c'est la même chose, seulement, voilà, polarisation. De l'autre extrémité, c'est comme ça. Et quand j'ai décidé d'expliquer le mal, tout le monde était étonné, stupéfait, au bon fin. Parce que jusqu'à présent, jamais personne, aucun livre n'avait présenté que le mal se trouvait dans le bien, en dedans, faisait partie de lui. Alors on était tellement étonnés, mais c'était deux choses séparées. Il fallait lutter, il fallait vaincre le mal. Et philosophie, des livres depuis 2000 ans. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on n'a pas écrit comme monstruosité? En apparence, bien sûr, c'est logique, c'est intéressant, c'est philosophique.
mais en réalité invraisemblable. Et voilà, pour vous montrer maintenant seulement un exemple. Dans la nourriture que nous mangeons, c'est le bien, puisque ça nous donne la santé, les forces, les énergies, tout. Et pourquoi il y a des matériaux, des éléments, des particules nocives, empoisonnantes, et ils nous rendent malades, il nous faut mourir si on n'arrive pas à les éliminer. Alors, vous voyez, mes chers frères et sœurs, pourquoi depuis 2000 ans, on n'a pas vu ça? Quand c'est simple, ça crève les yeux. Et aussi, le bien et le mal sont en dedans à nous, voilà, inséparablement. Mais où? Comment ça se fait que tous les anatomistes, tous les physiologues, ils n'ont jamais rien vu, rien découvert, que le bien et le mal étaient en dedans à nous, liés, branchés, inséparables. Et où? La circulation artérielle et veineuse. Alors, regardez-moi ça. Le bien envoie le cœur pur, qui était purifié dans les poumons. Alors, envoie pour nourrir, pour rétablir, pour nettoyer, pour laver, pour renforcer, pour vivifier. Et voilà que et le mal est là, des éléments qui ont pourri, qui sont moisis, qui sont empoisonnants, toxiques. Alors, la circulation veineuse doit les enlever, doit les envoyer dans les poumons pour les purifier. De nouveau, la même procédure qui se répète donc. Oh là là. Comment l'intelligence cosmique a donné, a laissé partout des choses pour nous instruire, pour trouver le chemin, pour nous éduquer, pour être comme il faut. Et on est aveugle, on ne voit pas, on n'interprète pas, on ne déchiffre pas, on est ailleurs, dans ses plaisirs, dans ses affaires, dans ses stupidités. Et c'est comme ça qu'on ne verra rien, on ne déchiffrera rien. Regardez-moi ça. Cette intelligence cosmique, comment elle a arrangé les choses. Et on vit, on trafique, et on ne s'aperçoit pas que le bien et le mal sont liés. Et après, je vous ai fait des conférences pour savoir comment utiliser le mal, comment le transformer, comment se renforcer grâce à lui. Oh là, il y a toute une science que les chrétiens et les autres n'ont jamais approfondie. Tous poussent des cris, tous se plaignent, tous s'arrachent les cheveux, tous crient, tous décrolent la guerre, et personne ne travaille pour utiliser ces forces, ces énergies, ces matériaux stupéfiants, comme force et comme puissance. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est maintenant l'esprit et la matière, le bon Dieu et la nature? Alors le bon Dieu qui est la force, l'esprit, la puissance, l'intelligence. Et alors, et comment il a créé la matière, comment il a créé le monde? Il n'avait pas de matière, il n'avait pas de moyens pour créer le monde. Et il a pris tout de lui-même en dedans, de lui-même, de sa quintessence. Et il les a condensés